Comme à vous, mes amis, nous continuons notre euh, série sur euh, le Tanar, la Bible comme nous avons l'habitude de l'appeler aujourd'hui. Nous allons parler d'un personnage qui n'est pas moins essentiel ni cardinal que les autres. Je veux parler de Youssef, Joseph, Joseph, qui, euh, d'Israël, va nous emmener euh, vers l'Égypte. Mais d'abord, essayons de voir, un temps soit peu, qui, qui est le, le personnage assez phénoménal, assez emblématique euh, concernant l'histoire d'Israël. Nous avions dit, je le redis à chaque fois, ce n'est pas l'événement pour nous qui vient configurer l'histoire, mais ce sont bien les personnages qui vont faire les événements et ainsi configurer l'histoire, c'est-à-dire donner à cette histoire une identité et surtout concernant l'histoire, c'est-à-dire les péripéties et les pérégrinations des enfants d'Israël, l'identité morale des Hébreux euh, concernant une identité morale future de l'humanité. Israël servant, comme vous l'avez compris, de vecteur, c'est-à-dire de moyen de sa propre rédemption pour mieux rédempter une humanité. Et donc, à, à travers chacun des personnages qui sont les nôtres, eh bien, nous sommes euh, euh, à même de pouvoir entendre et entreprendre l'escalade de, de cette rédemption-là. Euh, je m'aide bien entendu continuellement du tanar qui euh, ne, me, euh, ne me dessert jamais ni ne me lâche d'ailleurs euh, nullement, étant donné que les références sont ici très importantes. Yosef est donc l'enfant de Rachel. Le premier enfant, celui qui est venu, comme son nom l'indique, comme un supplément, mais je dirais ici non pas comme un supplément dans le sens quantitatif du terme, mais un supplément dans le sens qualitatif. C'est-à-dire à ah, l'amour euh, si romantique entre Rachel et Rachel, et euh, Yaakov, eh bien, la venue de Yosef est comme un supplément d'âme. Vous vous rappelez la demande de Rachel après l'exposé éminent euh, à travers chaque naissance des enfants de Léa. Comment Rachel demande, bien évidemment, à ce que leur amour si romantique ne reste pas, même dans ce romantisme, un amour totalement platonique, c'est-à-dire comme incapable de générer les fruits d'une passion qui est la leur. Et Yosef. On va donc apparaître dans le creuset de l'histoire une apparition, comme je viens de le dire, que nous appellerons, que nous intitulerons le supplément d'âme de Rachel et de Yaakov. Mais vous l'avez compris, cela dépasse bien entendu le seul, le, la seule immanence de l'histoire de, de Rachel et de Yaakov. Et nous transcendons ici toute une histoire bien au-delà des hommes. Lorsque Yosef grandit et, et que Yaakov se retrouve, comme nous l'avions la, expliqué, après la mort de Rachel euh, sur le chemin de Ephrate, Yaakov se retrouve euh, comme euh, père unique euh, de Yosef. La mère n'étant plus là, Yaakov va développer, euh, nous pouvons le comprendre d'une manière euh, euh, tout à fait évidente, au niveau de l'émotion de Yaakov, euh, une, euh, un amour particulier, une tendresse particulière vis-à-vis -vis de Yosef, même après la naissance euh, de son frère Binyamin, euh, qui précéda bien entendu la mort de Rachel. Eh, Yosef est donc l'enfant chéri de Yaakov, surtout, bien entendu, après la mort de Rachel. Ce que nous allons voir euh, se tricoter dans l'histoire est très intéressant. Pourquoi Parce que nous allons voir comment, à partir de l'événement de Yosef, nous allons peu à peu, jusqu'à la fin du livre de Bereshit, commencer à comprendre comment Yosef va-t-il devenir l'élément médian euh, du rachat de cette erreur fondamentale que fut le fratricide Quand je dis erreur fondamentale, je suis bien gentil, bien entendu, mais c'est le drame fondamental qui s'est joué. Je ne dirais pas tragédie, car comme chez les Grecs, la tragédie serait un bien, un, 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 un drame qui se finirait mal, alors que je préfère le drame qui, dans ce sens-là, serait une tragédie qui se finit bien. Donc nous appellerons cela un drame fratricide, et où Yosef va jouer un rôle ici essentiel, à partir de maintenant, jusqu'à la fin du livre de Béréchit, comme si, d'une certaine manière, à travers cet enfant, qui, comme je l'ai dit, au-delà du supplément d'âme pour son père et sa mère, va être un supplément d'âme, non seulement pour les enfants d'Israël, Yaakov, mais aussi pour une humanité dont le, euh, le terreau ici euh, sera représenté d'une manière symbolique par l'Égypte pharaonique. Yosef a grandi, euh, il a des rêves euh, qui sont prémonitoires parce que nous lisons l'histoire a posteriori, mais imaginez-vous qu'à l'époque où euh, Yosef vient se déclarer à ses propres frères, à sa propre famille, comme étant celui devant lequel on devra se prosterner. Je vous rappelle le rêve des gerbes, le rêve des étoiles, du soleil et de la lune, bien entendu, où il y a à travers ces rêves toute une, une prémonition du devenir ici, non pas de l'avenir, je parle bien du devenir de Yosef dans l'histoire humaine et pas seulement dans l'histoire d'Israël. Il s'éveille dans la relation fraternelle une, une jalousie. Une, 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 une incapacité à pouvoir accepter les propos de Yosef comme étant d'une évidence prophétique. Nul ni ici ne vient dans cette relation tout à fait humaine pouvoir accepter dans le propos de Yosef et eh bien quelque chose comme je l'ai dit de totalement prophétique. Et donc ce qui s'éveille c'est une animosité, une incapacité à pouvoir supporter plus longtemps un personnage euh, tout à fait euh, rebutant par ses propos, par sa manière de se conduire. Et puis bien sûr, il faut rajouter que les frères ressentent pertinemment l'amour tout à fait particulier de Yaakov vis-à-vis -vis de Yosef. On se rappelle bien sûr ce vêtement qui avait été fait, ce, vêtement, ce, ce patchwork qui avait été fait pour euh, Yosef particulièrement, et, et en conséquence de quoi euh, cela vient envenimer la situation. Peu de temps après cela, eh bien, les frères qui sont débergés. Je vous le rappelle, nous sommes continuellement dans cette ligne d'Ariane, d'une certaine manière, qui vient rappeler euh, que ces hommes dont nous recherchons véritablement l'identité, une identité que si on nous, on nous présente ces hommes-là, doit être particulière. Ces hommes sont des bergers. Je vous rappelle que le mot berger est composé non seulement du mot troupeau, mais aussi de celui qui est le prochain de ce troupeau. C'est-à-dire que ces hommes, dans leur état d'être, sont des hommes capables de faire valoir et entendre cette capacité à être le prochain, si ce n'est même de l'être animal. Et donc, à force iori, bien entendu, nous espérons, en tout cas nous aspirons, à ce que celui qui arrive à être le prochain de l'animal, qui a tellement de condescendance vis-à-vis -vis de l'être animal, n'en serait de moins vis-à-vis -vis de l'être humain, bien entendu. Mais en tout cas, il existe. Dans le potentiel de ces êtres-là, il existe bien évidemment euh, cette potentialité à pouvoir être le prochain d'eux. Alors ils vont euh, faire paître leur troupeau vers Shrem, une ville... Euh, que nous avions rencontré lorsque Yaakov était revenu de chez Lavan et que sa fille Dina avait été violée par les maîtres de Shrem. Donc, une histoire qui, là aussi, fut véritablement euh, dramatique, mais où, en tout état de cause, les enfants d'Israël ne restèrent ni pantois, ni quoi, mais réagirent à ce moment-là, même si pour Yaakov, la réaction de Shimon et de, et de Lévi est d'une certaine manière pas très acceptable, parce que exacerbée dans leur euh, réaction surtout dans la réaction violente, particulièrement de Shimon et de Lévi. En tout cas, les frères se retrouvent dans les champs de Shrem, ils vont se retrouver même plutôt du côté des champs de Dothan, <coughs> et à ce moment-là, nous revenons vers Hébron, et euh, Jacob demande à son fils euh, d'essayer euh, d'aller à la rencontre de ses frères pour savoir s'ils vont bien. Enfin, le père veut prendre des nouvelles des enfants, tout simplement. Je ne sais pas si vous imaginez la situation, mais en tout état de cause, il y a ici une petite problématique, à savoir que Yosef est bien conscient de la relation pas très relationnelle qu'il entretient avec ses propres frères. Le père lui demande d'aller, lui justement, Yosef, non pas un serviteur, non pas un, un quelconque personnage de la tribu des Hébreux, mais, mais bien lui, Yosef, d'aller à la rencontre de ses frères pour essayer de savoir si tout va bien. Yosef est moins dans la crainte de la rencontre avec... Ses frères, que dans sa volonté ineffable à vouloir euh, respecter son propre père. La mitzvah de Kavod Vehem, la mitzvah de, de, de respecter son père et sa mère, est ici euh, pré, euh, proéminente. Yosef accepte et il se met en marche. Il se met en marche vers Shrem, où il pense que euh, les frères font paître leur troupeau. Il arrive vers Shrem, il ne les rencontre pas. C'est à ce moment-là qu'un homme apparaît dans les champs. Et, et où Yosef lui demande euh, s'il euh, n'a pas eu euh, l'occasion de rencontrer euh, tous ces hommes qui sont les enfants de Jacob, enfin ses propres frères, et, et, et l'homme en question va lui indiquer le chemin vers Dothan, là où les frères font paître leurs troupeaux. Il est un point important lorsque nous sommes dans la recherche de cette identité de l'homme. Yosef a répondu positivement à son père par respect, d'aller à la rencontre de ses frères pour savoir comment vont-ils, avec tous les dangers qui peuvent être inhérents à une telle rencontre. Mais il respecte son père et donc se rend auprès des frères sans aucune arrière-pensée. Sur le chemin, il rencontre un homme qui va le mettre en chemin vers une histoire que nous allons voir, qui passe par la rencontre avec ses frères, bien entendu, mais une histoire qui aura des répercussions absolument euh, étonnantes. Ce que nous voulons dire ici, c'est lorsque nous avons vu Yaakov faire en fin de compte ce qu'il devait faire et se mettre en marche. Nous avons souvent vu les patriarches se mettre en marche et devoir quelquefois tout délaisser autour d'eux afin de pouvoir se mettre en marche, mais où cette marche n'était pas une marche où il était simplement question d'aller d'un endroit à un autre, mais où dans cette marche, c'est-à-dire le dédale des chemins parcourus, eh bien, l'homme. Euh, allait plus à la rencontre de lui-même à travers ce chemin qu'il n'allait à la rencontre du but qu'il s'était fixé. L'homme sur le chemin, celui qui va indiquer à Yosef où se trouvent les frères véritablement, est un personnage essentiel. Il est d'une certaine manière, disent nos sages, il est l'ange Gabriel, celui qui se trouve en chemin pour, euh, à euh, l'entendement de l'homme, donner une direction. C'est-à-dire qu'il y a... Non seulement le fait qu'il y a une « istadlut », c'est-à-dire une volonté euh, de, 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 de tenter de réaliser, d'accomplir la mission qui nous a été donnée, mais alors que je suis en chemin, comme je l'ai expliqué, sur ce chemin-là, eh bien voilà que la Providence venait à ma rencontre et parce que j'avais été capable, en fin de compte, de, euh, de, mettre, de me mettre en avant, de m'engager, alors cet engagement ne pouvait pas rester euh, neutre il devait aller vers le but espéré dans le projet divin par cet homme-là qui s'appelait joseph d'où l'intervention la présence ici de, de cet ange qui euh, dans sa forme humaine eh bien va venir indiquer à joseph quel est le chemin à poursuivre Et je réitère en disant que le chemin à poursuivre est ce chemin qui permet à joseph de se poursuivre et non pas simplement de poursuivre le chemin. Ceci est très important. Eh bien, vous connaissez l'histoire, Yosef va, va rencontrer ses frères. La réaction des frères, elle est... Elle ne nous étonne guère. Elle nous met en présence de frères qui, voyant Yosef arriver, se disent, tiens, le revoilà, celui qui prétend que nous allons nous prosterner devant lui. Celui qui prétend que, eh bien, nous serions les objets d'une histoire où lui serait le sujet de cette histoire. Et la décision est vite prise. Ils veulent en finir avec Yosef. Cet homme n'a rien à faire dans le monde qui est le leur. Je ne sais pas si vous prêtez attention, ou plutôt si vous me donnez l'attention, il y a là comme une histoire répétitive. Les frères ne supporte pas Yosef. Nous étions il y a quelques générations en face d'un frère Caïn qui ne supportait pas l'autre frère Abel. Peu importe qu'Abel n'ait pas tout à fait fait et accompli, réalisé le rôle qui devait être le sien et en quelque sorte engagé à un processus irréversible qui... Qui, qui nous amènera jusqu'à cet événement dramatique. Il y a là aussi, est-ce que Yosef a véritablement fait tout ce qu'il était à même de faire pour faire comprendre que même s'il avait conscience d'être le vecteur du projet divin, il ne fallait pas qu'il devienne le vecteur du projet divin au détriment de tous ceux qui allaient devoir accompagner le projet divin. Alors, comme je vous l'ai dit, la réaction des frères est sans appel. Il faut en finir avec Yosef, ce qui veut dire, en termes. Euh, euh, trivial, euh, ça veut dire tuer Joseph. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que l'aîné de Léa, le premier frère, en fin de compte, le premier enfant de Jacob, Réhoubène, va lui se réveiller ou s'éveiller à lui-même et tenter de convaincre les frères qu'il ne fallait pas le tuer, mais le descendre au fond du puits où il n'y avait point d'eau comme dit le texte, il n'y avait point d'eau, il n'y avait que des scorpions et des serpents, enfin des moyens de pouvoir en finir avec Yosef d'une autre manière. Mais Réouven a une autre idée, parce qu'il il est enverré contre tous les nés. Et sachez que dans dans ce processus qui est le nôtre, d'essayer de racheter la faute de Caïn et d'Abel, et dont je disais que Yosef, serait le vecteur essentiel, mais non des moindres réuven. en tant que premier enfant de Yaakov, car il est le premier qui viendra s'éveiller à la conscience de la fraternité. Je ne sais pas si vous aviez suivi les premières émissions, mais j'avais dit que le frère, ach en hébreu, était la racine de acher, l'autre, qui elle-même était la racine de acharaï, c'est-à-dire le responsable, ce qui vient nous dire que l'humain responsable serait celui capable de reconnaître dans l'autre celui qui est son frère. C'est ce que fait Réhoven. En interdisant, à sa manière, la condamnation à mort de son frère Yosef, il commence à rédempter ce qui fut une erreur dramatique. Il demande de le mettre dans le puits, mais parce qu'il a dans l'idée qu'il reviendra le chercher. Le sortir du trou où les frères auraient accepté de le mettre. Malheureusement, lorsqu'il reviendra, entre le temps où il s'en est allé et le temps où il est revenu, Yosef, vous le savez, a été vendu, vendu à ses marchands qui le vendront à d'autres marchands et amèneront Yosef vers le delta du Nil, vers la capitale de cette Égypte pharaonique où va commencer à se tisser les fils d'une histoire qui va bouleverser, en fin de compte, la nature du genre humain, mais pas la nature du genre humain dans sa biologie, mais dans son identité, c'est-à-dire dans sa dim dimension d'être, et surtout une dimension d'être qui aspire à un devenir tout à fait particulier. Mais pendant que Yosef était mis dans le trou au fond du puits, pendant le temps où Yosef sera sorti du puits parce que Reuven n'est pas là à ce moment-là, les frères vendent Yosef, comme nous l'avons dit. Mais pendant ce temps-là, eh bien, il se passe quelque chose. Pendant ce moment-là, il se passe qu'un autre frère, un autre frère, Yehuda qui était marié, qui avait des enfants, et dont le premier né est décédé, il fallait que le second soit celui qui allait accomplir ce que nous connaîtrons comme la mitzvah du lévira, c'est-à-dire où le frère devait épouser la belle-sœur afin de pouvoir donner une pérennité d'être et de devenir à travers l'enfant qui naîtrait, puisque le premier était mort. Sans avoir donné naissance. Je crois que la prochaine fois, il faudra essayer d'élucider ce sujet pour comprendre ce que l'histoire, les personnages à l'intérieur de cette histoire viennent nous faire entendre et comprendre. À très bientôt. Jalom.